Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une très très bonne journée. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler de Maeva Ghennam. Vous la connaissez tous, Maeva a participé à la toute dernière saison des Marseillais aux Caraïbes. Sur le tournage, elle s'était mise en couple avec son ex Greg, puis quelques temps après, ils se sont brutalement séparés. D'ailleurs, un énorme clash avait éclaté sur les réseaux sociaux, à la suite de l'anniversaire de Maeva et du fameux sac Chanel qui coûte plus de 5000 euros. Actuellement, Maeva est dans une sorte de confinement, car elle va très très bientôt intégrer l'aventure des Marseillais vs le reste du monde, et le tournage aura lieu dans le sud de la France. Il y a quelques heures, Maeva a décidé de se confier sur Snapchat, et elle a fait une énorme annonce. En effet, elle a révélé à ses milliers d'abonnés qu'elle était actuellement prête à avoir un enfant. Je vous laisse avec toutes ces révélations. Mes amours, je vais vous annoncer une grande nouvelle. Je vous jure la vie de ma mère que je suis décidée la prochaine fois que je tombe amoureuse d'un mec, donc mon prochain mec, si je tombe amoureuse de lui, je lui fais un gosse. J'ai trop envie d'avoir un gosse. Je veux une peste comme ma star. Viens ma vie. Je veux la même que ma nièce. Je veux la même chipie que elle. Voilà, qui aime le maquillage. Je veux faire des photos avec elle. Je veux l'habiller. Ma vie. Je veux l'habiller genre pareil que moi. Je veux une fille. Voilà, c'est mon rêve d'avoir une fille. Et là, je pensais que j'étais pas prête et tout. Mais je me sens prête à avoir un enfant. C'est moi ta fille. Déjà, il faut que je tombe amoureuse d'un mec. Et une fois, le prochain mec, voilà, je vais le prévenir. Une fois que je suis amoureuse de lui, je lui fais un gosse. J'arrête la pilule. Bon, je prends pas de pilule, mais bon. Voilà, voilà. Je fais un gosse. Un tata ? Oui. Tu veux que tata ait un gosse ? Non. Mais une moi... Tata ? Oui. Pourquoi tu veux pas que j'ai d'enfant ? Moi, je veux qu'il y a... Comme ça, t'as une petite... Attends. Si elle, c'est ma nièce. Donc, c'est la fille de mon frère. Si moi je fais un gosse, qui ce sera le gosse pour elle? Ben je pense... Tata, Jade. Quoi? Écoute. Quoi? Si je fais un enfant, tu seras tata. Pourquoi? T'as vu, moi je tape tata. Oui. Eh ben, si je fais un gosse, si je fais un enfant, eh ben toi aussi tu seras tata comme moi. Tu peux être tata? Oui. C'est vrai? Tu seras gentil? Oui. Mais regarde-moi. Oui. Regarde-moi. Oui. Est-ce que tu seras gentil? Oui. Et c'est normal d'être comme ça habillée en princesse? C'est oui. Quoi? Ben, c'est la star. Oui, c'est la star, mais c'est un pyjama? Oui. Ok, d'accord. T'as quoi là? Ah, c'est des petites... Oh, des paillettes et tout. Oui. Je te maquille. Oui. Fais bisous, tata. Bon, je vais te faire un enfant. Non, Eden l'a fini ça. Il est dégoûtant. Oh. Avec Jade, on a fait plein de photos. Ma vie. Je l'aime trop, ma star. Je le revois tous les jours. Mais non, mais là, en photo de profil, comment on fait? Je sais pas, pour les mettre sur ma tablette. Modifier. L'image? Ouais. Oui, moi j'aimerais bien la mettre. Utiliser en fond d'écran.